pour leur faire plaisir, et ils vont emporter ça à Paris. Ça me fait bien plaisir, moi, voilà. Et ça passera quand à la télé? Au moins, on parlera d'Ouveya, au moins. Ça passera quand à la télé? Eh bien, ça passera, il va nous le dire, je ne sais pas. Si c'est un samedi matin entre 9h et midi, le jour, je ne le sais pas. Ça c'est un couvercle de fibre. Et là, c'est pas vrai. On met un compresseur. Il donne de l'air pour le souffler. Et puis voilà, l'aération. Voilà. En fait. Tu vas laisser une paire de. Je vais en foutre les œufs pour. Satisfait de votre reportage à Ouyang? C'est une interview. Oui, très satisfait de ce reportage. Je
Enfin, c'est Madame Borjac qui m'avait signalé cette curiosité locale, ce petit train de M. Borjac. Et puis, je regrette pas d'être venu. Parce qu'effectivement, d'abord, le petit train, c'est un bel objet qui est vraiment très joli à voir. Et puis, en même temps, j'ai eu la chance de pouvoir le voir tourner et le voir rouler dans une ambiance sympathique, qui est celle du village d'Ouveillant. Et puis, hein, ce samedi matin, j'ai eu lieu de marcher. Donc, il y avait tout le village rassemblé, il y avait de l'ambiance. Je crois que ça fera un joli petit reportage qui plaira à tous les téléspectateurs du samedi matin qui regardent C'est tout monte. Alors ça passera, nous sommes aujourd'hui le 21, jour du printemps, ça passera dans 15 jours exactement, donc à la même heure, il est quelle heure? Il est minuit moins le quart, c'est à peu près à cette heure-ci dans 15 jours que vous vous retrouverez tous donc sur l'écran de TF1. Merci. Voilà, à bientôt. Et il n'y en a qu'une, c'est la lune.